Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de make-up. Bien sûr on va pas parler du dernier récit à la mode, on va parler plutôt prothèses et effets spéciaux au cinéma. Et pour mieux comprendre, rien de tel qu'une petite démonstration. Désolé, c'était pour aussi aborder le côté maquillage numérique plus en plus utilisé au cinéma. Même les tenues maintenant sont rajoutées en VFX. Pour le maquillage numérique, nous utilisons des logiciels de compositing, style After Effects. Dans After Effects, nous avons un système de calque que nous venons superposer pour créer des effets de dingue. Maintenant, attaquons le maquillage classique. Alors, on va prendre de petites pattes. Alors voici de la cire à effets spéciaux. Du coup, ma première étape, je vais venir positionner. Alors moi, je vais venir mettre un peu de poudre. En même temps, ça me permet de bien étaler. Je vais venir trancher. Hop, faire un truc correct. Voilà. Là, j'utilise un peu de rouge pour venir un peu traumatiser la plaie. Alors je vais mettre un peu de, moi j'aime bien mettre un peu de gel. Hop. Alors déjà on a un effet pas trop dégueulasse. Vous voyez ? Faut avoir sa petite palette de maquillage. Hein. Moi j'aime bien rajouter un peu de d'orioli. Alors quelques minutes, on a quand même un effet correct pour une petite vidéo, genre pour une petite blessure. Une de mes dernières trouvailles, du collodion. Du coup, alors avec ça, on l'utilise souvent pour faire des bonnes balafres, vous voyez, à la Scarface. Du coup, c'est à mettre sur la peau, on laisse agir un petit peu. Et ça creuse comme un sillon dans la peau. C'est vachement pratique. Je l'ai utilisé dans le court-métrage Ego. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Oh, ça me fait une grosse tête, hein. Excellent. C'est une lumière beauté, mais ça marche pas sur moi.